Salut, c'est Sophie. Et moi, c'est Emma. On va commencer aujourd'hui le programme de formation Trouve ta voix en classe de terminale. Et c'est une grande première pour nous. C'est la première fois qu'on va aller former des élèves de terminale au grand oral du bac. Et on est super contents de déjà les rencontrer et ensuite passer un moment pour les préparer au mieux à cette échéance. Et ça commence aujourd'hui à Étorbranly, à Créteil. Et là, ce qu'on vous propose, c'est collectivement de choisir vos propres règles, nos règles communes. Elle a déjà dépassé le cercle polaire, ou alors elle a une petite sœur qui a 16 ans de moins qu'elle. Quoi? Je commence? Vous pouvez commencer. Sam n'aime pas les pâtes. Elle est née en 2004. Bah quoi? Simplement, il y a des personnes chez qui ça va se matérialiser dans différents gestes, ok? Là, l'idée, c'est que votre stress, vous le mettez dans des gestes qui ont l'air de l'extérieur convaincant. Alors du coup dans cette séance on a commencé par un peu se placer par rapport à si on était confiant ou pas pour ce grand oral et ensuite on a commencé par faire un peu des exercices et imposer nos propres règles pour du coup les aménagements de ces séances. Je pense que la classe c'est une classe très dynamique, qu'on s'écoute quand même les uns les autres, même si on blague tout le temps et c'est ça qui est cool, on est tout le temps détendu et je pense que c'est important de se détendre comme ça dans une classe et de pouvoir dire ce qu'on veut quand on veut sans pouvoir être jugé par les autres et du coup ça ne crée pas de division dans la classe et du coup je trouve que c'est cool ça. Moi, ce que je pense que la formation Trouve ta voix va m'apporter, c'est surtout à gérer mon stress. Parce que je suis à l'aise à l'oral, mais le seul problème, c'est que mon stress, bah, à tout moment, je peux partir en déroute, bégayer et pas réussir à bien enchaîner mes mots.